on est le mercredi 8 avril. Donc là j'ai rincé mes cheveux parce que j'ai fait mon soin hier soir, hier après-midi. Et je l'ai laissé poser toute l'après-midi et toute la nuit. Donc là j'attends que mes cheveux sèchent. Je sèche jamais mes cheveux ou sèche-cheveux. Je les laisse toujours sécher à l'air libre, ça les abîme moins. Voilà. Là, ils m'ont l'air d'être bien rouges, ça va. Donc, j'attends que ça sèche. Bon, comme toujours, comme je sors de la douche, j'ai des grosses plaques. Je suis habituée à force. Bon, ça comme toujours. J'ai encore du rouge sur mes mains. Enfin, surtout sur mes ongles, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Je suis habituée aussi. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, je suis juste en petite robe. Il fait super bon aujourd'hui. En même temps, ça fait un moment qu'il fait super bon. Là, il n'y a que hier où c'était un peu plus gris. Il n'y a plus un petit peu. Enfin, il n'y a plus au matin. Mais c'est tout. Mais il faisait gris. Et là, il fait super bon. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, c'est pas tout drôle. Donc on va faire ça. Ah oui, mon chéri a fait les courses ce matin. J'étais à la douche et tout, il a tout rangé. Donc du coup, j'ai pas pu prendre en vidéo cette fois-ci. Donc voilà. C'est tout. Ce midi, donc pâte avec de l'ail comme toujours. Moi je me suis mise des petites tomates sur le côté parce que je savais pas quoi faire comme légumes, et mon chéri il voulait pas de légumes, donc du coup j'ai fait que des petites tomates pour moi, donc du thon avec de la crème et des oignons. Et mon chéri, j'ai tout mis dans la casserole, il verra s'il veut manger directement dedans ou pas. Voilà, je me claquais la tête. Donc là, je viens seulement d'arrêter le PC. Donc j'ai fait tout dans la maison comme toujours. J'ai fait ma maison comme toujours. J'ai marché, j'ai été sur le PC, j'ai mis des photos en ligne. Alors ça par contre, c'est super chiant, je sais pas pourquoi elle fait ça. Donc je sais pas pourquoi celui-là il veut pas. Enfin bref. Je me suis mise à jouer à Planet Zoo. Alors j'adore le nouveau DLC, il est trop cool je trouve. Il y a plein de nouvelles décos et tout, c'est trop bien. Il y a plein de nouvelles plantes aussi. Il y a des nouveaux animaux. Enfin, il y a plein de trucs trop cool. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre ?
Du coup, ouais, j'ai joué à Planète Zoo. J'ai donné à manger au chat. Moi, j'ai mangé aussi. Tout est fait, comme vous voyez. Mes cheveux ont séché aujourd'hui. Enfin, tout à l'heure. Heureusement. Donc, ça y est, j'ai les cheveux rouges. Bien rouges. Ça se voit encore mieux quand je suis à la lumière du jour. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai une mèche qui tout à coup vient, je ne sais pas pourquoi. Ah, bref, on s'en fout. Voilà. J'allais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus trop. Donc, je ne sais plus. Et je ne sais plus. Donc, j'ai mangé comme d'habitude mon yaourt avec. Avec mes fruits, mes graines de chia et mon son d'avoine. Heureusement que je suis descendue pour manger vers 20h. Ouais. Parce que mon chéri avait oublié à fermer la porte dehors. Sauf qu'il avait oublié Daenerys. Donc ça faisait 20 minutes que Daenerys était dehors. Et en fait, elle n'a pas l'habitude d'être dehors sans qu'on soit en bas. Donc du coup, j'ai ouvert. Elle était en mode, c'est moi, je suis là, allô. Pauvre chat. Dit parent indigne. C'est pareil, je vous avais pas dit, je sais plus si c'est hier ou avant-hier. Madame m'a rameuté complètement toute la rue. J'ai trois chats. Oh, quatre chats, non, trois. Trois chats qui sont venus pour voir madame. Donc le problème c'est qu'ils viennent derrière la fenêtre et qu'elle en fait elle essaye de mettre des coups de patte, mais sauf qu'elle met des coups de patte sur mes rideaux. Donc j'ai plus de rideaux. Mes rideaux ils sont déglingués. Ils étaient déjà bien déglingués, mais alors là elle continue. C'est un bonheur. Sinon, la transition des croquettes se passe super bien. Et comme je disais à mon chéri tout à l'heure, je pense, je me demande même si ces anciennes croquettes n'étaient pas. Enfin, je me demande si ces anciennes croquettes ne lui convenaient pas en fait. Parce que là, elle a commencé sa transition. Parce que d'habitude, en fait, ces selles, elles ont tendance à être liquides. Il y a des moments où elle a la diarrhée, on ne sait pas pourquoi. Après, il y a des moments où je me dis, bon, c'est peut-être qu'elle a mangé une bestiole qui passe pas ou je ne sais quoi. Mais en fait, donc j'avais trop peur en fait en changeant ses croquettes. J'avais trop peur qu'elle les accepte pas, enfin que son transit ne les accepte pas. Et finalement, apparemment, ça va beaucoup mieux quand on fait la litière. La litière, elle paraît moins dégueulasse qu'avant, quoi. Puisqu'avant, elle était souvent en diarrhée. Je suis désolée hein, pour le sujet super glamour, mais c'est comme ça. Hein. C'est des êtres vivants comme nous. Donc du coup, ben, je me demande si finalement c'était pas les croquettes qui faisaient ça. Bon là je croise toujours les doigts pour qu'elle ait pas de nouveau son allergie comment dire? Ben, sur sa peau quoi. Donc bon. Pour l'instant, il n'y a pas l'air, ça a l'air d'aller. Et comme je vous dis, son transit aussi, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc je suis super, super contente. Je croise vraiment les doigts pour que ça marche. Là, je suis encore à la gamelle 50%, enfin 50-50 pour les anciennes et nouvelles croquettes. Et normalement, le prochain, bah, ça devrait être certainement 75-25.
dans le sens inverse, du coup, plus 75 pour les nouvelles et 25 pour les anciennes. Et comme ça, bah, ça sera fait. On sera enfin tranquille avec ça. Et je croise les doigts pour que ça continue. Ouais. Bon, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, j'ai pas fait de gâteau. Mon chéri avait pas envie de gâteau, donc je lui en ai pas fait. C'était un repas un peu plus gras au midi, mais en même temps, j'ai quand même compté mes féculents et tout ça, donc ça devrait pas être trop. Enfin, je devrais pas prendre 3 kilos avec un repas. Puis je crois que c'est à peu près tout. La seule sortie que je me suis autorisée aujourd'hui, c'est pour aller chercher la poubelle. C'est tout. Enfin bref. Bon, bah moi, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Et je vous dis, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner et de mettre un j'aime. Oui, je bug. Et moi, je vous dis à demain. Ciao !